Salut tout le monde, c'est 404 pour le 10e épisode de Pokémon, le 10e. Et à partir de ce chiffre-là, je ne pourrai plus jamais compter les épisodes avec mes doigts. Donc, on le dira haute voix. Le 10e épisode de Pokémon version bouclier. Et comme le dit ce personnage qui vient me féliciter pour le match au précédent épisode, eh bien, on avait battu la reine de type eau. Et qu'est-ce que j'ai réussi enfin à faire? Bon, vous le savez, si, pour ceux qui me suivent en live, j'ai réussi enfin à capturer mon petit Shiny, mon premier Shiny, que bien évidemment, je rajoute au layout. Maintenant, je vais regarder les leaks. Yes! Yes, yes, yes! Mais qu'il est bon! Et il est carré! C'est un Shiny carré, les amis! Ouais! Yes! Putain, on l'a enfin! C'est dommage que ce soit une femelle, mais est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu, les amis? Est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu? Le fameux petit Kawamatsu femelle! Kawamatsu n'est pas une femelle dans One Piece, hein, c'est un homme, enfin, c'est un homme poisson, pour ceux... C'est un kappa. C'est un kappa. Et donc, j'ai réussi à l'avoir enfin, après plusieurs lives, plusieurs heures de live, j'ai réussi à l'avoir au bout de 1110 rencontres, les amis, dont 510 de battus, et le reste que des rencontres. Ça a été long, très très long, très 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 long, les amis. J'ai enfin réussi à l'avoir, je l'ai eu au niveau 5, et dans le live, je l'ai très rapidement monté de niveau. Excusez-moi. Je l'ai très rapidement monté de niveau. Voilà, il a un niveau de Dynamax de niveau 2 parce que je lui ai donné deux bonbons de niveau Dynamax. Parce que j'ai fait des raids entre temps, du coup j'ai pu en avoir. Il a le talent Prognat. Le Pokémon a une mâchoire robuste qui augmente la puissance de ses capacités à base de morsure. Donc ici il fait mâchouille et morsure et d'autres attaques, je pense que je connais pas trop. Eh bien, il leur déglingue la gueule de ouf. Il a l'attaque coup de boule, morsure, pistolet à eau et charge. Mais je pense qu'il va prendre très vite une capacité. Et il est solo de nature. Il a été rencontré à la route 2, bien évidemment. Là où j'y ai passé des heures et que j'en ai tellement marre que je suis content enfin de l'avoir. Il se rajoutera au layout. Je suis désolé pour ceux qui ne voulaient pas se spoiler du design des Pokémon Shiny. J'avais tellement envie d'avoir au moins un Pokémon Shiny dans mon équipe. Eh bien, j'ai enfin mon petit Kawamatsu. Qui est magnifique! J'adore son design. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt le faire évoluer sous vos yeux de manière plus légale, on va dire. À la limite, on l'augmentera de niveau pour qu'il évolue plus tard. Enfin, voilà. Je crois que c'est ici. Alors, du coup, après avoir battu la reine, évidemment, on avait parlé avec Chiros qui nous avait dit de le rejoindre au restaurant. Et vu qu'il y a pas mal de public au devant de ce restaurant-là, je suppose que c'est ici qu'il faut que j'aille le voir. Ça a l'air d'être ça. Hop là. Ah. Ah, Dialka, joins-toi à nous et fêtons ta victoire. Tiens, tu as été invité toi aussi? Oh, mais vous vous connaissez, merveilleux, je vous en prie, prenez place. Ah, nous allons avoir un dialogue, un quadrilogue, pardon, excuse-moi, parce qu'on va parler à 4, je suppose. Ah non, un trilogue, parce que du coup, la meuf n'est pas... D'accord. Comment ça s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Skyford est une ville qui vit traditionnellement des produits de la mer. Quitte à aller au restaurant, le choix ne se pose pas. Il faut manger local. Tous les plats de la carte sont plus délicieux les uns que les autres. Vous ne serez pas déçus. Je suppose que cette chère professeure Magnolia se porte toujours comme un charme. Nous lui devons beaucoup, voyez-vous. C'est elle qui a découvert comment utiliser le pouvoir des étoiles vœux pour dynamaxer les Pokémon. Sans ses travaux, jamais nous n'aurions pu fabriquer les poignées Dynamax. Oui, mais nous sommes encore loin d'avoir élucidé tous les mystères du Dynamax. Je dois avouer que cela la préoccupe. Elle me force même à emprunter un détecteur de source d'énergie dès que je sors. Oh, un détecteur de source d'énergie, c'est si pratique ces petites choses. Vous savez,
C'est grâce à eux que nous avons découvert ces lieux riches en Galarion qui permettent aux Pokémon de les maxer. En Galarion, riche en Galarion, c'est pour ça. Hein? C'est pour ça que la région s'appelle la région de Galar. J'adore la meuf derrière, on dirait qu'elle est blasée de la vie, elle fait la gueule. C'est un truc de ouf. Mais je suis navré d'apprendre que cette chère professeur Magnolia est préoccupée. Si seulement je pouvais faire quelque chose. J'ai peut-être une idée. Liv. Ouais, c'est bien comme ça. Je savais bien qu'il y avait un Liv quelque part, mais je sais pas. Veux-tu bien donner à Sonia l'autorisation de visiter la salle des reliques de Kikenham? Kikenham? Bon. Je suis persuadé que la clé des secrets du Dynamax est liée à l'histoire de notre région. C'est noté, monsieur le président. Je vais arranger cela. Sur ce, dois-je vous rappeler que l'heure tourne, monsieur le président? Quoi déjà? Oh non, j'aurais voulu discuter avec Dialka. C'est dommage, mais que voulez-vous? C'est la dure vie de PDG. Mon temps ne m'appartient pas. Je ne vis que pour Galar. Mais quel genre d'homme serais-je si je faisais attendre ceux qui ont besoin de mes lumières? Ouais, vous avez remarqué, j'ai mis un autre bonnet avec marqué London dessus parce que vu qu'on est en Grande-Bretagne, fallait bien rester dans le thème. Il fallait vraiment qu'il me parle de la salle des reliques. Je suis obligé d'y aller maintenant. Mais bon, il a sans doute raison. Si j'ai bien une chance de trouver des informations sur la légende, c'est cela. En fait, tu as tenu le badge. Oh, bravo, Donna est une adversaire coriace. Tu as bien mérité cette CT pour la peine. Vengeance. Ah, merci. Merci, merci. En parlant de Donna, c'est une bonne copine. Je vais aller lui faire un petit coucou. A plus, ce challenger. Ouais, j'avais compris ça, que c'était une amie à toi. Bon, bah, du coup, ouais, c'est. Ouais. Yo, toi aussi, t'as déjà le badge plante et le badge haut, c'est ça? Dans ce cas, notre prochain adversaire sera le même, Kabu, le champion de Motorbike. Ou Motorbike, j'ai toujours dit de Motorbike, je sais pas. J'ai justement entendu dire qu'il suivait un entraînement spécial dans la mine de Galar 2, numéro 2. Ah d'accord. Très inspiré. Donc, à mon avis, ça sert à rien de foncer tête baissée à Motorbike. Autant faire un crochet pour la mine, par la mine, on tombera peut-être sur lui avec un peu de chance. Ouais, et nous on va peut-être faire évoluer notre petit Kabomatsu. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble son évolution en Shiny. Parce que je sais à quoi ressemble son évolution, mais en Shiny, est-ce qu'il va garder les couleurs ou pas? C'est une bonne question. C'est totalement un cri d'éléphant son bruit en fait. Mine de Galar numéro 2. Oh! 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 Tss, encore toi! Ouais, je te croise toujours dans les mines, toi, c'est bizarre. On dirait que t'as toujours mauvaise mine. Je me casse. Ne te méprends pas, je suis pas venu ici pour affronter les dresseurs de la mine. Vu la faiblesse du niveau général, ce serait bien trop dégradant pour mon équipe. Remarque, je pourrais être miséricordieux et tous vous vaincre pour vous épargner des souffrances ultérieures. Je vais commencer par toi d'ailleurs. Te croirais-tu à ma hauteur? Ne me fais pas rire. Laisse-moi te montrer en combat l'étendue du gouffre qui nous sépare. Je me bats quand tu veux, où tu veux. Je suis ton âme. Je déconne. J'ai été sélectionné par le président de la ligue en personne. Tu n'as aucune chance. Moi, j'ai été sélectionné par le maître en personne. Ouais, j'ai totalement balancé ma menace. Heureusement que j'ai la dragon, parce que sinon j'aurais plus d'écran de PC. Nucléose. Ah, il a pas évolué? Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Il niveau combien? Regardez, un shiny carré. Impressionnant. Ah bah, il a pas fait son carré là. Super efficace. Oh bah tiens, on est au même niveau. Bah alors. Et je l'ai presque one shot, hein. Je lui ai fait tellement mal. J'ai dû avouer que tu as un peu progressé, juste un peu. Et il a eu la trouille! Ah, si ça c'est pas super beau. Allez, on le termine avec pistolet. Super. Oh le bâtard! C'est pas grave, on le termine quand même. T'as conscience quand même que ce que tu viens de faire est utile. Oh, si je lui fais les mêmes dégâts, c'est nickel. N'est-il pas beau, n'empêche? Et franchement, il est magnifique. J'ai trop envie qu'il évolue en quelque chose. J'ai envie qu'en fait, son évolution, ça soit un peu pareil en fait. Hop, Joey niveau 26, c'est parfait ça. Scrutez-la. Allez, on reste. Nous, on va faire évoluer
On va le faire évoluer, on est des fous. On reste sur morsure. En fait, je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait, vu qu'il a prognate, et bah son attaque morsure est super efficace contre lui. Il est super méga fort en fait. Oh, il m'a fait super mal. C'est pratique pour le mec. S'il apprend ma chouille, je gagne carrément ma chouille. Allez, go. Bibi chute. Lui, il est fait. Fait psy. Et donc, on va changer. On va aller sur Joey, tiens. Que je lui ai appris vampirisme, du coup, en live. Par une DT, bien sûr. Parce que j'avais obtenu vampirisme en battant un fermite. Le max anticipation, il a vu mon talent. C'est quoi déjà mon talent? Je veux vampirisme déjà. On va commencer. Ouah, je l'ai tellement fait mal, je l'ai tellement one shoté. En même temps, vu mon niveau, hop, Ponita. Et ah oui, c'est vrai qu'il est... Ah, tu as réussi à me pousser jusqu'au dernier retranchement, je te félicite. Quelle beauté ce Pokémon. Et seulement type psy du coup. Non, type fée ou psy. Je sais qu'il est seulement l'un des deux. Bah, type psy seulement. Oui, il deviendra type fée en évoluant, je suppose. Je suppose. Tu es bien brave, donc j'ai eu pitié de toi et je t'ai laissé gagner. Oh, c'est gentil, hein. Toutes mes excuses. Il semblerait donc que tu ne sois pas irrémédiablement lamentable. Mais tout simplement pitoyable. Merci. Ça fait plaisir. Je sens que tu reconnais ma valeur. Quoi qu'il en soit, tu es bien loin d'avoir le niveau suffisant pour le défi des arènes. Mais tu as bien mérité une image pour l'effort. Tiens, prends donc ma carte de ligue. Quel enfoiré. Tu m'excuseras, mais j'ai des étoiles vœux à collecter. Ciao. Ok. Oh, les Pokémon, je capture après. Pokéball. Oh, je me suis tellement fait avoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Même Miaouz de galère, il est beau à côté de lui. C'est l'immonde. Mais comme son nom l'indique, il est immonde. J'y crois pas. Il n'y avait même pas de Pokéball. Je me suis fait avoir comme un bleu. Vas-y, je. Qu'il est immonde. Vagomine. Eh non, 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 non. Alors, toi, déjà, t'as Pokémon feu, eau. Tu vas pas faire ta loi devant moi. Hein. Feu, eau, n'importe quoi. Feu roche. Donc là, c'est x4. Hein. Techniquement, je le one shot. Hein, t'as compris? Mais je lui ai pas du tout fait mal. Eh, Kamomatsu, mais réveille-toi! Pouvant-y. Oh non! Eh, moi je veux qu'il gagne de l'XP, hein. Ça va pas cette histoire, hein. Ça va pas du tout. Bah, Shardike, quitte à battre le feu par le feu. Autant y aller, quoi. Ah, fait chier, je vais utiliser un objet parce que j'ai trop qu'il gagne de l'XP. Alors.
commencer par ça. Elle me rappelle, voilà. Ça me fait mal, mais c'est pas grave. Hop, et on va le terminer avec pouvoir antique ou un tiers. Je sais pas lequel des deux va être plus rapide. Ouais. On se bat dans les mines avec des vagos de mines. Ouais. Ouais. On va le terminer. Kawamatsu monte au niveau 22. Allez, on a perdu, mais bon, au moins mon Pokémon s'est enfin calmé. J'ai regardé à quel niveau évolue Kawamatsu et il évolue au niveau 22, donc on va pouvoir le faire évoluer maintenant. Regardez-moi bien. Ah là là, regardez-moi ce tout petit Pokémon tout mignon. Il évolue enfin, j'espère que son évolution va être magnifique. Mais il est beau! Je n'aime pas. De base, j'aime pas cette couleur verte. Mais putain, l'ensemble! Regardez-moi cet ensemble! Oh, Roche! Ah, dommage. Dommage parce que du coup, j'ai deux Pokémon dits pour Roche. Moi, je m'y attendais un peu d'à côté. C'est pas grave parce que de toute façon, ça reste quand même la faiblesse du feu. Oublie une capacité. Charge, mais il est beau, il est beau les amis, il est beau. Il ressemble encore plus à Kawamatsu là, tout le coup. Enfin, juste la couleur. Bah du coup je vais lui donner le reste des XP. Hein. Alors, hop, hop. Ah bon seulement. On va lui donner le reste aussi. Hop. Montoya 25, c'est parfait. Et super bonbon, on va lui donner aussi. Hop là. Voilà. Il a rattrapé 300 bonbons. Ok. Il a rattrapé l'équipe, c'est très bien. Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il est beau, impressionnant. Ouais, bah c'est pas là. Je vais m'amuser moi au montage. Hein. Je suis fier parce que j'ai mon premier shiny quoi. Ah oui, du coup j'avais des DT cascade et ébullition, je voulais voir si du coup je pouvais lui donner. Ça pourrait être pas mal parce que pistolet à eau c'est un peu nul. Charpentier, on va rester sur lui. Hop là. Moi ce Pokémon là, Torgamor, je voulais pas l'avoir parce que tout le monde l'aurait appris et tout, mais si c'est soit je l'ai pas, soit je l'ai mais shiny. Donc voilà. J'ai fait un total de 16 heures de chasse au total. Ouais. Ouais, c'est beaucoup. Hop, je vais voir s'il peut apprendre ébullition et tout. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de chez pas mal. Paf, 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 hop, hop. Ouais, du coup, il peut apprendre ébullition. C'est nickel. Hop, on va lui apprendre. Contre. On va lui oublier coup de boule et pistolet à eau. On va lui apprendre cascade à la place. Hop, hop, hop. Ça me paraît pas mal. Hop, hop. Il a toujours Prognite d'ailleurs. Parce qu'il a toujours Prognite, on lui laisse morsure. À moins qu'on aille mâchouille.
Alors. Non, on n'a pas Machou. C'est pas grave. Pokéball. Acrogriffe. Ouais. Je vais me faire avoir. Quoi, oh, Team Yel? Qu'est-ce que vous voulez? Mais queer. Welcome to the Summoner's Rift. Oh, bien ton. Oh là là, c'est super impressionnant. Tu voudrais bien nous accorder un petit combat. Hein. Hey, t'es là, Dialka? Waouh, tu t'es déjà trouvé des groupies. On dirait mon frangin. T'es qui toi, hein? On t'a pas sonné. Hein. Je m'appelle Nabil, je suis le prochain maître. Non mais lol quoi. J'ai jamais vu ça dans un jeu Pokémon. Lol. On sait tous que le prochain maître c'est Rosemary. Hein. Quoi? Vous croyez que les autres sont incapables d'y arriver? Vous allez le regretter. Allez viens Dialka, on va leur montrer. Alors moi c'est Dialka, c'est pas Dialka, ok? Tu vas te calmer, hein, David. Et ouais, on est recommandé par le maître en personne, vous allez voir ce qu'on sait faire. Pff, vous êtes marrant à la ramasse. Hein. Heureusement qu'on est là pour vous montrer ce que c'est la dure réalité des défis de la reine. Pourquoi il a fallu plus qu'il applique notre naze? Il était bien notre plan d'embobiner les challengers en étant polis pour mieux les dégager un par un. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. On n'est pas rien. Il y en a qui ont des Torgamor Shiny et d'autres qui se contentent de l'idéon de Lunar. Regardez-moi ce Shiny Carré! Waouh! J'adore le système de Shiny Carré en fait. Alors, on va aller brûler ça, leur mère. Alors, on va commencer par Roublena. Il me fait mal quand même. Ah, j'aime quand je brûle les gens. Hop, aboiement. Oh! Il a fait mal au mouton là. Coup critique infligé sur Kawamatsu. C'est pas grave, Kawamatsu c'est un génie. C'est un pur combattant de la mort qui tue, tu vois, les. Oui, très bien. Autre double pied. Nickel! Franchement, je t'adore, Nabil. Génie du combat. Hop! Il est brûlé. Toute attaque physique sera réduite par deux. Alors. Ah merde, est-ce que je voulais voir? Là c'est 80 de puissance, c'est ton AX, 80 de puissance, c'est 60, et ça c'est ça. On va lui faire cascade, c'est plus rapide. Est-ce que les blessures ça fait encore plus mal sur un Pokémon brûlé ou quoi? C'est pas grave, on l'a terminé. On s'en fout. Hop, nickel, il le termine. Oui. C'est bien la vie. Pour une fois, franchement, j'aime bien. Ce qui est bien maintenant en Pokémon épée bouclier, c'est que pour une fois, notre coéquipier à côté sert à quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'on avait un coéquipier, c'était toujours n'importe quoi. C'était toujours n'importe quoi. Il va prendre des masses. Il faisait que des attaques de merde, ce qui faisait qu'en fait, c'était plus nous qui faisait le travail. Là, pour une fois, on a un coéquipier qui nous aide. Oh, d'accord. Alors, on va refaire la même. Hein. Par contre, mon mouton, c'est pas que j'y crois pas, mais bon. Désolé. Hein. Hop là, ébullition. Pas grave, Torgamor, notre cher Kamomatsu va tenir le coup. Il ne manquera plus qu'un chapeau de paille et puis c'est bon. Hein. Oh. Il m'a fait mal ce coup. On va être obligé de switcher. Équipe, on va envoyer. Non. Joey. Non, si. Non. Si. J'étais, mais en fait, si. J'oublie parfois que Joey est de type si. Un insecte de type 6, c'est rare en fait. C'est rare, c'est, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que ça a déjà existé un insecte de type 6? Un insecte de type 6. Est-ce qu'on a ça nous?
On a eu Bombidou qui était un petit peu. Est-ce qu'on a eu un... On a déjà eu un insecte de type psy? Jamais. Jamais. Je crois qu'on a presque failli avec notre illusion. Non, même pas. Papillusion aurait pu. Non, attends, Papillusion, il est pas type psy. Il est pas type psy. Papillusion est type psy. Ok, Google. De quel type est le Pokémon Papillusion? De quel type est le Pokémon Papillusion? Selon Wikipédia, Papillusion est un Pokémon insecte et vole de la première génération. Insecte et vol. Ça m'a porté confusion parce qu'il avait. Quand il évolue, en fait, il va prendre choc mental. Alors là, il est type ténèbres, hein, donc on va pouvoir lui faire ça. C'est très efficace. Je crois que c'est super vitesse. Oui. J'avais un doute. J'avais peur de ne plus me rappeler de mes tables de type. Hop, peut-être que Joey va compter le MC du coup. Joey et Charbeck. Et Kamamatsu. Kamamatsu qui a très vite rattrapé. Bon, j'avoue, j'ai un peu triché pour Kamamatsu, mais MDR, c'est pas grave. Hop, on a perdu, mais où est le reste de la team Yel hein, quand on a besoin d'Yel? On aurait peut-être eu une chance de gagner si on n'avait pas pu faire un max de bruit. Hein. Quoi? Toi là. T'es le petit frère du maître, non? Je suis sûr qu'il t'a entraîné. Hein. Il y a des frères mieux que d'autres. C'est idéalement pas juste. La team vous vengera. Nous vingt un. Vous vengera ou nous vengera. Bien joué, Dialka. On fait vraiment la paire, toi et moi. Si tu veux. En fait, t'as vu Kabou? Toi? Non, parce que moi, non. Ah, continuons de chercher, on va bien trouver. Oh, quand tu l'es cherché, tu l'as pas trouvé. Oh, Torgamore, ça va toi? Le mien d'ailleurs, il est peut-être de mauvais points, peut-être qu'il va falloir que je le soigne. Hop, Tombissol. Ouais, je suis totalement esquivé dans la serre, ouais. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Hop, on va juste soigner. Pokémon, notre cher. Ah bah non, il est. Kabou nous a soigné. D'accord, j'ai pourvu. J'ai pourvu. Personne ne résiste à la puissance de la vapeur. Le Lazare le cheminot. Vous croyez qu'il travaille à Paris? Non, parce que c'est bizarre, mais. Il y a la guerre sans Lazare, donc. J'ai pas vu de blague, j'étais pas inspiré, désolé. Ouais. Ouais. Allez, go. Hop! Oh, Firefox monte un peu. Ah oui, je vous ai même pas dit! Je suis trop con. Je vous ai même pas dit, mais entre temps, j'ai renommé Firefox! Ouais, j'ai failli me faire voir encore une fois. Parce que, ouais, j'ai trouvé comment renommer finalement les.
Les Pokémon. Ah, attendez. Team Yell, merci pour votre contribution à mon entraînement. J'apprécie vos efforts. Mais je ne vous reprenne. Mais que je ne vous reprenne pas plus à déranger un Vagomine dans son travail. Mais on ne voulait pas le déranger, hein. On voulait l'encourager. Hein. Bon, la Team Yell sait reconnaître quand il est vaincu. Allez hop, on remballe. C'est bien beau les encouragements, mais rien ne vaut l'application et les efforts. Wago. C'est Kabu, comment il les a incendiés? C'est pas pour rien que c'est le champion de type feu. Nabi et Dialka, c'est bien ça? Les challengers recommandés par le maître. Pardon, je suis en plein entraînement. Je mets un point d'honneur à offrir un combat les plus stimulants aux challengers. La mine de galère numéro 2 regorge de Pokémon. Oh, un véritable défi pour mon équipe de type feu. Enfin, assez parlé, il est temps de rentrer. Mais, enfin, vous êtes en route pour Motorbike, je suppose. Dans ce cas, continuez tout droit, vous y serez. Allez, allez vous reposer à l'hôtel. Pour être frais et dispo. Pour relever le défi des arènes. Au plaisir. Viens, mon brave Vagomine. Je te raccompagne. Ouais. Des brûlants combats nous attendent demain. Mon frangin m'a parlé de Kabu. Il paraît que plein de challengers abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à le vaincre. Du coup, bah, va falloir se relâcher. Oh, t'inquiète, c'est facile, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Et voilà. Nous sommes arrivés. Enfin, je suppose. Le Vagomine de tout à l'heure devait être là pour un Poké Service, tu sais ce que c'est? Bien sûr. Tu sais déjà tout, c'est super. Bon, on file se reposer à l'hôtel. On a toujours nos chambres rose bouton d'or de Motorbike. Il faut qu'on soit en forme demain pour affronter Kabu, le champion de l'arène de type feu. Ouais. Oh, oh bah dis. Oh, Smogo. D'accord. Bon, les amis, c'est sur cette début de route. Juste avant Motorbike, on va devoir se quitter. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que ça vous plaît l'idée d'intégrer un nouveau Pokémon, les Shiny, dans mon équipe. C'est la première fois que je fais ça dans un Let's Play officiel. J'ai déjà eu un Shiny dans mon Let's Play sur Pokémon Éclat Pourpre. Mais cette fois-ci, c'est un Let's Play sur un jeu officiel de Pokémon. Donc j'espère que ça vous plaît l'idée. Cet épisode vous a plu, vous pouvez... likez, vous pouvez commenter pour écrire tout ce que vous voulez, pour vous abonner pour suivre toutes mes aventures sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne secondaire dans laquelle je fais des lives, comme ce que j'ai fait aujourd'hui pour attraper ce cher Kawamatsu qui fait partie intégrante de mon équipe maintenant. À partir de maintenant, il fera partie de mon équipe. Même si j'ai deux types proches dans mon équipe, c'est pas grave parce que ça reste un Pokémon de type eau et l'autre un type feu. Donc je m'en fous, c'est pas un problème. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. J'ai Snapchat, Discord, Facebook, Twitter. Et Twitch aussi, mais j'y vais jamais, comme Snapchat, donc voilà. Allez, sur ce, c'était la question 4, donc, salut tout le monde!